tout le monde, c'est BT31. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto maison en bois. Oui, j'en ai déjà fait un, mais celui-là, il est plus mieux, il est plus grand. En gros, c'est un deuxième tuto pour une maison en bois et en pierre, enfin voilà, mais plus, on va dire, stylé. Voilà, il ressemble à ça. Donc voilà, c'est en fait, c'est une maison pas classique, enfin on n'en voit pas partout des maisons comme ça. Peut-être que vous oui, mais pas moi en tout cas. Je vois pas. Oh là là, Tibi me troll. Oh là là, je sais que t'es là. Parce que oui, il y a Tibi dans la map et en gros il me troll. Hop là, oui je vois, il est invisible. Je sais. Donc en gros voilà, il y a un petit jardin. Tranquille. Un petit truc. Une maison. Attendez deux secondes. Je veux juste démultiplier. C'est drôle de troller les gens. Hein. Donc voilà. Ouais. Donc elle ressemble à ça. Il y a assez de vitres. C'est assez spacieux. Oups. En haut, il y a des dalles. Ça, c'est... En plus, si jamais il y a des TNT qui tombent, et ben ça résiste, vu que c'est des dalles en pierre. Donc, en plus, avec le petit portique d'arrivée, c'est stylé. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin de planches en chêne, planches en sapin, vitres, tronc d'arbre de chêne, dalles en bois. Là, pour l'instant, on va juste faire la maison et un petit peu de déco. Ah, t'es là. Escalier en acacia et dalle de pierre. Donc, là, pour l'instant, on va juste faire ça. Maison juste simple. La maison. Après, on fera ça et ça. Donc, alors, on va commencer. Il y a des portes aussi, bah oui. Ça marche pas. Oula, il y a un livre. Ça dégage. Donc, on commence par faire deux portes. Vous mettez deux portes. Comme ça. Et il faut que je refasse le chemin de gâteau. Portail, comme ça. Une porte. Ouais, non, portes. Parce que le gâteau. Attends, il faut bien mettre les portes dans le bon sens. Pour que ça s'ouvre comme ça. Voilà. Gâteau! Tu peux éviter de faire des trucs comme ça. Il est chelou. Ok, arrête donc. Bon, attendez, vous savez quoi, je vais le mettre encore parce que ça va pas être un plaisir de l'entendre pendant toute la vidéo. Donc voilà. Donc vous mettez deux portes comme ça. Une couche comme ça, une couche comme ça. Et vous recouvrez comme ça. Donc normalement, ça donne ça. Voilà. Comme ça. Après vous rajoutez des plaques de pression si vous voulez, comme ça, et voilà, ça s'ouvre, ça se referme, c'est bon. Après vous reculez d'un cran, vous mettez un bloc derrière, vous en mettez 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà 1 2 3 4 5 6 7 8 ça c'est assez bon. Après vous faites la taille que vous voulez. J'ai l'impression que c'est pas symétrique. Je crois qu'il y a un bloc en plus. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut bien recompter pour éviter que ce soit pas symétrique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais non c'est bon. Donc après vous remettez la deuxième couche, puis la troisième couche. Comme ça. Ah non, ah, je me suis encore trompé. Vous mettez bien les couches. Ça. Ah bah merci, enfin il aide. Donc voilà, ça vous donne ça. Après vous mettez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, voilà, vous en mettez 14
Ça, c'est un peu stylé. Donc, je vais... Donc, ouais. Alors, j'ai rempli tout ça. Vous mettez bien 14, comme ça, là, en 14. Puis après, vous cassez les coins. Les coins de la maison. Vous cassez tous les coins. Voilà. Tous les coins, vous les cassez. Ouais, ici aussi. Et vous les remplacez par du chêne vers le haut. Ouais, bon voilà, vous l'outil bien fait. Vous remplacez tout par du chêne. Voilà. Ça donne ça. Je vais voir si je l'ai fait de l'autre côté. Ah non, de l'autre côté, je l'ai pas fait. C'est pour ça que ça me disait bizarre. En fait, ici, vous le faites pas. C'est pour ça que ça fait bizarre. Voilà. Ça donne ça. Donc maintenant on va passer aux vitres. Donc les vitres vous les mettez un petit peu comme vous voulez. Moi j'aime bien en casser 4 sur 2 et remplir comme ça. Voilà. Je fais symétrique toujours. Donc voilà, vous remplissez 4 sur 2 et vous remplissez. Voilà. Après vous comptez 1. Vous en mettez 4. Mais il est chiant lui. Il fait tout le tuto à ma place. Donc, vous en mettez 4 comme ça. Vous comptez 2, 1, 2, 3, 4. Ça c'est symétrique. Oui, parce que je suis accro à la symétrie. Voilà, vous comptez 1, 2, 1, 3, 4. Comptez 2 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Après, vous mettez les vitres comme vous voulez, mais moi, pour mon tuto, je préfère faire comme ça. Vous laissez une place là. Vous comptez 1, 1, 2, 3, 4. Vous remplissez. Vous comptez 2, 1, 2, 3, 4. Donc les vitres ça donne ça. Puis après vous prenez des escaliers en bois, n'importe lesquels. Moi j'aime trop la l'acacia. Les escaliers pour faire le toit, je préfère la l'acacia. Donc après vous remplissez le haut comme ça. Pas, il faut pas que ça dépasse. Enfin, si vous voulez ça dépasse, mais moi je vais faire ça dépasse pas. Donc comme ça. Voilà, vous mettez bien au-dessus des blocs. À côté, sauf si vous voulez le mettre à côté, mais après, voilà. Voilà. Déjà, on a la base de la maison, elle commence à être bien. Donc, après, vous cassez. Ah oui, je vais lui demander quelque chose à Tib, vu que c'est toujours mon cobaye. Oui, depuis un an, c'est toujours mon cobaye. Donc, attendez, je vais vous demander quelque chose. Hey, Tib! Oula, je crois que je l'ai. Ouais, désolé pour ce petit imprévu. Bon, bah, il répond plus. Donc, vous. Arrête! Désolé pour ce petit imprévu. Donc bah, il m'entend plus. Vous devez casser tous les blocs qui sont par terre. Attends, on va casser ça. Vous devez casser tous les blocs par terre. Parce qu'on va remplacer par du bois, bien évidemment. Parce que sinon, c'est de la terre, c'est moche. Donc, on doit casser tous les blocs qui sont par terre. Pour les remplacer par du bois. Toute la terre qui est là, vous remplacez par du bois. Donc, tout ça, vous cassez. Quoi? Je demande de casser. Ah! Là voilà, enfin
content. Donc voilà, vous devez casser tous ces blocs. Donc nous, en attendant, on va remplir les dalles de pierre. Pas en haut, en bas. Faut bien que ce soit comme ça, là. Pas comme ça, comme ça. Ça dérange pas qu'il y aura quelques trous? Si, ça me dérange. Donc voilà, pas en haut, bien en bas, parce que sinon ça fait moche. Donc voilà, je vais accélérer. Nul en tant que je vais pas le faire. Donc voilà, on a terminé de creuser ça, enlever toute la terre et remplir le plafond de dalles. Donc après, vous pouvez rajouter des torches en attendant. Tout simplement, on termine. Vous rajoutez des. What? Cette portail est pas très bien mise. Ah oui, quand même, c'est deux stacks de terre. Donc, vous remplissez des torches en attendant qu'on termine. Si vous travaillez dans le noir, ça va être compliqué. Et si en plus on est en survie, ça peut être dangereux. Donc voilà, remplissez. Donc dehors, vu qu'on a rempli les dalles, ça doit donner ça. Voilà. Donc voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Donc après, vous avez creusé ça, vous remplissez avec un sol, pardon. Donc voilà, on a terminé de creuser. Voilà. Il manque un peu. De remplir plutôt. Enfin, il a terminé parce que j'ai filmé quand il a fait. Donc voilà, normalement ça doit ressembler à ça, la maison est assez spacieuse. Donc vous pouvez rajouter des plaques de pression côté des portes pour pouvoir sortir. Donc voilà, attends, je vais en... C'est plus beau. Donc voilà, la maison ça donne à peu près ça. Donc pour faire la suite, vous aurez besoin de barrières en bois, de attention, dalles, maison non recopiée, créée par lui-même, de dalles de chêne, la modestie est là, de buissons de rose, de lilas, de plaques de pression, de trappes en fer. Pour faire ça, hein. Pour bien faire ça là. Moi j'ai déjà préparé l'équipement moi pour mon tuto. De blocs de quartz. Donc après vous mettez 4 barrières comme ça. Vous mettez une barrière au-dessus. Ça. Vous rajoutez un bloc de quartz. Mettez la barrière au-dessus. Vous pouvez reculer encore dans si vous voulez, mais comme ça, ça suffit. Mettez les trappes en fer. Les plaques. Ah. Non, on va plutôt prendre des plaques en fer. Parce que c'est des trappes en fer. Voilà. Bien. Après, vous mettez 1, 2, 3, 2, 3, comme ça, et vous mettez des dalles en pierre autour. Des, en pierre, mais c'est en bois ça. Ah oui, c'est du bois. Des dalles en bois. Les risques du métier. Oui. Et vous enlevez les coins parce que bon, après ça fait pas très bon. Les coins et le milieu comme ça. Pour ajouter une dalle au-dessus des barrières pour ne pas faire genre ça vole. Non, désolé, pas les milieux. Je
me suis encore trompé. Pas le premier. Ouais, voilà, comme ça. Et comme ça, ça fait un espèce de petit parasol. Comme ça. Donc voilà, après pour ajouter lila, puissant rose, lila, puissant rose, lila, comme ça. On va en rajouter encore un. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, c'est terminé pour l'avant de la maison. Après, je vais aussi casser ça. Mais bon, pas sûr que ça fasse plus beau. Donc, voilà. Ça peut être pas mal. Ok. Donc pour faire. Non, je vais pas faire le tuto du jardin, désolé, mais voilà. Petit truc. Je vais rajouter la télé. J'ai un petit peu coupé la maison ici. Mais ici, si on a laissé une place, c'est pour rajouter la petite télé. On mettait un tableau. Je suis pas prêt d'en trouver un. Comme par hasard, lui là. Que je veux, il est... Donc, moi j'aime bien le ninja. Tout le monde aime bien le ninja. Comme ça. Voilà. Ah oui, et petite astuce, si vous faites une télé avec le ninja par exemple, mettez des lanternes marines derrière. Des lanternes marines derrière. Les gars, astuce de la mort qui tue. Pour avoir de la lumière en plus sur la télé, et ça fait toujours un peu plus stylé. Après, vous pouvez rajouter ça. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. À plus tard pour de prochaines vidéos.